C'est marrant, je vois la justice pour un général. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, je ne peux pas vous dire. Il y a la justice pour un. C'est un général ici. Hein. C'est un. Je ne sais pas. Un général. Ouais, c'est un homme politique. Mais je vois plus l'armée. Enfin, ça a un rapport. Ou alors l'armée ou les services secrets ou quelque chose comme ça. C'est bizarre, hein? Alors, est-ce qu'on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un dans les services secrets qui va s'en aller parce que c'est à cause de lui, en quelque sorte, hein, que cette histoire entre l'Iran et les États-Unis arrive, parce qu'il y a la justice. Et là, je vous dis, je vois un homme avec comment ça s'appelle, des décors, comment on appelle ça, des décorures, comment, je ne sais plus parler français. Le voilà, mon général, avec ses décorures en direct. L'Iran passe aux aveux. 3 jours après le crash de cet avion commercial, le pays reconnaît l'avoir abattu. Une erreur selon un communiqué officiel, le Boeing aurait été pris pour un avion hostile, explique l'armée iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'excuse et se justifie sur Twitter. Un triste jour. Les conclusions préliminaires d'une enquête interne menée par les forces armées. Une erreur humaine en temps de crise causée par l'aventurisme américain qui a mené au désastre. Nos profonds regrets, nos excuses et nos condoléances à notre peuple, aux familles de toutes les victimes et aux autres pays touchés. Le président Hassan Rouhani précise également que les investigations se poursuivent pour identifier et traduire en justice les responsables. Ces déclarations confirment ce. Et traduire en justice les responsables. Donc, effectivement, quand je voyais un général. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire ça a été très, très, très rapide. C'est-à-dire que la réponse de. Pardon. La réponse de. Zut, c'est quoi ça? Ah, bah, si on me dit la suite. Donc, la réponse, en fait, de l'Iran a été tellement rapide qu'en fait, l'avion que je voyais dégommer, en fait. Personne, à l'heure où je faisais mon tirage, personne ne savait que c'était un attentat, sauf moi, puisque j'ai dit que c'était un attentat. Mais je pensais que c'était Trump qui allait, comment dire, réagir. Or, c'était l'Iran. Donc j'avais raison, c'était mon général avec les décorures, et vous voyez bien, il a dit qu'il s'excusait, et là, l'Iran dit qu'il va y avoir des actions en justice. Donc, ouf! J'avais bien raison, sauf que je m'étais trompée de cible. En fait, c'était l'avion était déjà, enfin de cible. C'était pas Trump, mais c'était l'Iran qui avait répliqué à une vitesse grand V. Voilà. Bah, je vous fais des bisous. Ciao.